Salut tout le monde. Alors, voilà, aujourd'hui on va changer un petit peu. On va se faire, alors toujours en vidéo replay, mais cette fois on va se faire un replay d'une course. D'une course directement sur le circuit de Brands Hatch en Angleterre. Au volant d'une Aston Martin Venon. Belle voiture, très très beau véhicule, sur un circuit qui est court, donc trois tours de replay passeront rapidement. Je vais peut-être les lancer d'ailleurs. C'est parti. Voilà l'Aston Martin, hein, couleur dorée, je sais pas trop, une espèce de d'orange cuivre doré. Très belle GT. Donc il y a en tout 24 véhicules et on part en milieu depuis je crois qu'on est 11e au départ. Une Bugatti qui vient de sortir. Histoire de changer un petit peu parce que c'est vrai que c'est sympa, moi j'aime bien claquer des chronos etc, mais je me suis dit qu'une petite comme ça pouvait être sympa à regarder. Ce qui se pose la question, les adversaires, donc les drive avatars sur Forza Motorsport, sont en mode moyen. Si je me trompe, je peux pas dire si ça, je les ai mis en moyen. Ça reste une bonne base. C'est pas non plus trop difficile. Mais bon. Après, le but étant de réussir à dépasser ses adversaires sans que ce soit non plus trop facile et sans jouer au pouce-pouce. Alors, vous verrez quand même qu'il y a trois petits contacts à certains moments. Ça reste soft, ça va. Là comme j'arrive pas sur l'extérieur et qu'en plus j'ai fait une foutre en l'air, je vais passer sur l'intérieur. Je vais réussir, voilà, je le passe dans la courbe et hop, un petit contact sur l'aile arrière. Rien de bien méchant. J'ai un autre contact d'ailleurs, à un moment je crois qu'on ne voit pas, qui aura lieu sur mon flanc droit. Quand je freine et que je vois certains moments où j'ai l'impression de bloquer mes roues sans vraiment les bloquer, mais c'est qu'en fait le freinage est tellement élevé que du coup de la fumée qui sort de mes disques de frein et de pneus. Il y a des fois j'ai l'impression d'être le seul à freiner en fait. Quand je vois les autres adversaires, c'est un peu ce qui est dommage dans ces jeux-là, c'est que j'ai l'impression que eux par contre leur voiture est un peu comme sur un rail et il n'y a pas trop de mouvement. Encore qu'ils ont fait des efforts. Hein. Moins cette impression de rail dans Forza que on a quand même certaines voitures qui s'entrechoquent entre elles, d'autres qui font des sorties de piste. Un petit peu moins l'impression qu'il n'y a que nous qui pouvons faire des erreurs. Sur le deuxième tour, on va s'accélérer parce qu'il nous en reste plus qu'un. Voilà, c'est short. Non, d'ailleurs, on est sur le dernier, c'est le deuxième tour. Là, c'était les trois qui étaient devant moi, et là, c'est. On essaie de rattraper le pilote de tête. Alors là, on est beaucoup moins sur le côté tour propre. D'ailleurs, là, j'ai un petit peu coupé.
un petit peu limite limite quand même. Ouais, ça va être un final sur la ligne d'arrivée quoi. C'est ça. Voilà. Juste sur la ligne d'arrivée. Bon allez, ça c'était juste pour le plaisir, cette histoire de changer un petit peu et qu'on puisse avoir, avoir une course en vidéo. Ouais. Salut tout le monde, bonne journée et à bientôt.